Allô? Alors, Samy, comment allez-vous? J'appelle pour te présenter mes félicitations anticipées. Ah bon? Félicitations anticipées. Tu recevras bientôt l'arrêté qui te nomme chef de la division des Tampis. Et que me vaut cette nomination? Tout simplement parce que tu la mérites. Chef, désolé de vous décevoir, mais je n'en peux pas. Voyons, Samy, j'espère que tu plaisantes. C'est un poste de responsabilité très convoité. Je n'en veux pas. Mais diable, pourquoi? Pour des raisons personnelles. Tu risques de le regretter, hein? J'assume. Advienne que pourra. Pour la montée des couleurs. Garde-vous. Portez arme. Présentez arme. Attention pour la montée des couleurs. Envoyez. Bonjour, Oyo. Ça va, non? Moi, je prépare un corps étranger. Ah, bah, toi aussi. C'est à cause de montée de couleurs que tu es gonflé comme ça. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ah, attends, attends. Quoi? Toi, tu as commencé. Quoi? Qui t'a amené ici, même? Regardez-le. Il ne faut plus monter nos couleurs avec tes fesses dehors. Va te faire foutre. Va vendre. Qui t'a amené? Dès que tu vas vendre. Monte de couleurs. Les gars, vous savez quoi? On veut me nommer comme le chef de la division de Tampi. On fait ça, mon commissaire. Mais ça, c'est bien. Mon commissaire, vous allez nous manquer. Mais j'ai refusé. Quoi? Ouais. Mais pourquoi, mon commissaire? C'est un poste. Mais je sais, Mouna. C'est un poste important. Mais en réalité, c'est une coquille vide. Une espèce de garage, voilà. Je n'ai rien à faire d'autre que de tourner mes pouces, lire des rapports et signer des papiers. Un travail de bureau que je déteste, vous le savez. Mais vous êtes proche de la retraite. Et le poste que vous occupez actuellement à Tampi vous expose à des risques. Oui, mais Mouna, j'ai justement besoin de ça. C'est pour ça que j'ai choisi ce boulot. Et puis ce n'est pas tout. Mon intuition me dit que derrière cette nomination, il y a Anguille Souroche. Pourquoi? Depuis que vous êtes à la tête de ce commissariat, les choses vont de bien en bien. Ah oui. Et le taux de criminalité et d'insécurité a sensiblement diminué à Tampi. Justement. Bon, bref. L'avenir nous dira si mon choix est bon ou pas. Et c'était juste pour ça. Allô? Oui? Monsieur, regardez-vous. Oui? Ah bon? Entendu. Merci beaucoup. Oyo, pourquoi tu regardes le portable là comme ça? Ah oui, j'ai oublié que depuis que tu as ce portable, c'est la première fois que tu reçois un coup de fil.
Il y a des jours où je ne comprends pas le commissaire. Si moi, on me nommait à ce poste-là, Il doit avoir ses raisons. Il faut même dire que le commissaire a toujours été une tête brûlée. Et ses supérieurs se cherchent avec lui. Voilà. On prend une décision qui est bonne avec lui, problème. Ouais. Ce n'est pas bon pour lui, problème aussi. Abonnant fixe. Bon, les gars, j'ai été convoqué. Je vous donne le compte rendu après. Ça va chauffer d'air. Les gars, vous savez quoi? Hier au quartier, il y a des jeunes qui se bagarraient avec des couteaux. Ah bon? Je me suis retiré tranquillement. J'ai appelé le 10-10. Mais en moins de 10 minutes, les gars, ils étaient là. C'est pas vrai. Mais la police ne peut pas être aussi efficace. Non, mon frère, c'est pas une question d'efficacité, mais de stratégie. Le système, c'est quoi? Le 10-10 communique avec le Centre National de Veille et d'Alerte, le CNVA. Okay. Eux, ils savent où sont préposées les différentes unités d'intervention. Et maintenant, en fonction du lieu où se passe le drame, ils appellent l'unité la plus proche et hop, la chose est faite. Wow. Je pense qu'il faut abandonner cette idée. Il n'en est pas question. Si on continue comme ça, ce monsieur va finir par se prendre pour un demi-dieu. Il faut que ça cesse. J'en ai assez qui remettent tout le temps en cause notre autorité. Je pense tout de même qu'on n'a pas demandé son avis. Oh. On s'en fout de son avis. Oui. Commissaire. Bonjour, mon commissaire. Oui, asseyez-vous. Merci, commissaire. Vous m'avez dit au téléphone que vous refusez votre nomination. Est-ce exact? C'est-à-dire que... Est-ce exact? Oui, mon commissaire. Bien. Vous devez donc savoir que cela vous soumet à des sanctions. Et à ce titre, vous êtes suspendu de votre poste jusqu'à nouvel ordre. Un commissaire désigné assurera votre intérim jusqu'à ce qu'on statue définitivement sur votre sort. C'est tout? Mais Raphaël, tu m'as l'air bien pensif. Oh, il n'y a rien. Je ne suis pas seulement d'accord avec le président. Mais pourquoi? Il dit que ce sont pourtant des conseils pratiques de sécurité. Ouais, ouais, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais mettre des grilles à des fenêtres, ça coûte cher tout ça. C'est pas plus cher de se faire agresser? Une grille de protection, ça décourage les voleurs? N'importe quoi! Tu sais, moi je pense que c'est plutôt un deal du président avec son cousin, celui qui fait la menuiserie mécanique là. Hé, toi aussi, c'est méchant ce que tu dis là. Oh, Raph, ouvre un peu les yeux. Ouvre un peu les yeux et puis tu regardes. Si tout le monde décide de mettre des grilles aux fenêtres, ça fait beaucoup d'argent pour lui. Mais beaucoup de problèmes pour les voleurs. N'importe quoi, te dis-je. Prends ce que tu veux. Voilà, Fritz. Mon commissaire, qu'est-ce qu'il y a? Mais les idiots, ils m'ont suspendu jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Oui, oui. Je vais faire mes belles choses. Vous savez à quoi je pense? Non. Brigadier? Inspectrice? Appelle Oyupu Petejaku. À vos ordres, inspectrice. Fais vite, s'il te plaît. Moi, comme ça, je ne vais pas mettre de gris à ma fenêtre. Pourquoi faire? Je ne suis pas là pour enrichir les enfoirés qui ne veulent pas travailler. Alexandre, toi aussi. C'est pour ta sécurité. Un bandit peut venir rentrer par la fenêtre et t'agresser facilement. Cet imbécile de bandit là n'a qu'à venir. Il saura qui est Alexandre. Vous ne me connaissez pas? Toi, comme ça là, tu peux faire quoi un bandit? Hein? Moi non, mais mon fusil, je l'ai toujours mis sous le lit. L'imbécile entre, je le fais, je récupère mon fusil et voilà, hop, il est down et c'est fini. Moi je ne m'amuse pas, hein. Je ne dors pas seul. J'ai un fusil avec moi. Vous ne valez rien. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures?
Hein? Dis-moi vite le salopard qui t'a fait ça, je vais l'écraser comme un yémeré ici. C'est pas le commissaire, non. Oh, le commissaire? Ah, si, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Le commissaire va partir. Je suis foutu. Parti? Où ça? Ah non, non, non. Déjà parti? Et toi là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es aveugle. Tu ne vois pas que je suis en train de consoler ma pamplemousse adorée. T'as quoi? Allez, oust! Poupette, l'heure est grave. Oh. Les inspecteurs nous attendent. Oh, non, rien. Mon là. Ah oui. Oh, ma choucroute, j'oubliais. Excuse-moi beaucoup. Ça suffit comme ça, on y va. Vous apporter notre soutien. Vraiment, cela me touche beaucoup et je vous remercie. Mon commissaire, vous ne partirez pas de ce commissariat. Comment? Vous avez le droit de refuser une nomination, surtout quand on ne vous a pas consulté. Mmh. Oui, mais je ne veux pas que vous récoltez mes pots cassés. Ah, mon commissaire, vous ne nous avez jamais laissé tomber. Quand nous étions dans le pétrin ici, ce n'est pas le moment pour nous d'être ingrats. Nous sommes avec vous. Et car à celui qui a voulu s'installer. Bon. Merci beaucoup. Mais êtes-vous vraiment sûr et certain que... Sûr et certain. Excusez-moi, patron. Il y a le chef de la police qui veut vous voir. Faites-le rentrer. Oui, patron. Merci. Cher collègue. Comment vas-tu? Comment ça va? Assieds-toi. Toujours dans les papiers. Il y a un petit problème. De quel genre? Personne ne veut aller au commissariat de Tampi comme intérimaire. Comment ça? Tous ceux contactés refusent d'y aller. Ah non, ce n'est pas possible. On doit aller sur l'ordre. Je propose qu'on n'insiste pas. Ah oui? On peut désigner un intérimaire au sein du commissariat. Mais qui? On a deux inspecteurs. L'un d'eux fera l'affaire. Ok. Convoque-moi l'un des deux dans mon bureau. Ok. Allez. C'est ça que tu cherches. Montre-moi où tu caches ton argent. Alors, se dépêche là. Alors, agent Oyou, comment se porte ta carrière? Comment ça? Mal. Et là, comment tu es? Je ne vous permets pas. Attention, je suis ton supérieur, hein? Mais n'oublie pas. Et là, toi, est-ce que les autres membres du commissariat sont comme toi? Mais tu peux te relever, devenir pourquoi pas commissaire. Vous êtes sûr? Je ne suis pas n'importe qui à la police. Il te suffit de me rendre un petit service. Lequel? Je veux savoir ce qui se passe au commissariat de Tampi. Je veux tout savoir. Donc, vous voulez que je trahisse mon propre commissaire? Oh, écoute, c'est une bonne cause. La cause de la police nationale qui dépasse ton commissariat, même de tout. C'est pour la cause nationale. Bon. J'ai besoin d'un petit temps pour réfléchir. Demain. Hé. Si tu souffles un mot de notre conversation à quelqu'un... Ah! Que faire? Si j'accepte, j'ai des problèmes avec les inspecteurs. Si je refuse aussi, ma promotion est capoute.
Kabako. Comment? Il n'est pas encore parti? Mais qu'est-ce que vous attendez? Demain, il s'en ira. Faites pas confiance. Faites vite. Je dis faites vite, sinon c'est pas bon. D'accord? Chouchou. Il y a quoi? Ça ne va pas? Si le commissaire part, je pars aussi. Mais partir où? Je ne sais pas encore. Mais là où il ira? Non, Chouchou. Tu ne peux pas me faire ça. Et moi dans tout ça là? Moi qui croyais que tu m'aimais. Ma belle pamplemousse, je t'aime. Mais si je reste sans le commissaire là, je suis foutu. Oyou et Brida vont me terminer. Chouchou, pardon, il faut réfléchir. Hein? Il faut bien réfléchir. Toi aussi. Chouchou, pourquoi tu es assis tristement comme ça? Et en plus, tes bagages sont emballés. Je ne sais pas lire. C'est fermé, je déménage. Si tu bouges la gueule, qu'est-ce que moi je devine? Hein? Tu ne bougeras pas d'ici. Oyou, s'il te plaît. Bon, Chouchou, moi je t'ai sorti pour prendre du pain. Mais là, là, franchement, je suis désolé. Non, le pain là, tu vas avoir ça. Compte tenu de votre qualité, nous avons passé à vous comme commissaire intérimaire du commissariat de Tampi. Félicitations. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter. Comment ça? Le commissaire a estimé qu'il était bien à ce poste. Et il serait déloyal pour moi d'accepter de le remplacer. Vous savez à quoi vous vous exposez? J'en suis conscient. Au fait, ne pensez à personne du commissariat de Tampi pour remplacer le commissaire Zami. C'est ce qu'on va voir. Mon commissaire, si Alexandre m'avait écouté, le voleur n'aurait pas pu s'introduire facilement chez lui. C'est vrai. Sauf en forçant les grilles. Et en ce moment, il se réveillerait. Il suffisait d'appeler le 10-10. Et voilà. Commissaire, ouais. Vraiment, je regrette. Je n'ai plus rien. Ils ont tout emporté. Même mon fusil. Commissaire, il faut que vous m'aidiez. Moi, j'ai mes propres problèmes. Mais bon, le devoir est sacré. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour toi. Nous, de notre côté aussi, on va activer nos réseaux d'information et on verra la suite. Allô? Allô? Je soutiens mon commissaire. Quoi? Tu vas être sanctionné, hein? J'aurai ma promotion le jour que je la mérite. J'assume! Bien dit, Oyou! C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça un vrai policier. Ouais. Merci pour ton conseil, c'est grâce à toi. Aïe, ce n'est rien là. Même si parfois tu me casses les pieds, je t'aime, Oyou. Moi aussi. Oyou, Oyou. Allez, viens boire un bon café là. C'est chaud. Oyou, Oyou. Yes. Bon, trop c'est trop. Non seulement ils refusent de libérer les lieux, mais ils empêchent quiconque d'entrer. On prend de force le commissariat du Tampi, on les arrête tous. Pour insubordination et rébellion. On va pas laisser ces 7 petits flics faire ce qu'ils veulent. Sauf votre respect, je pense que c'est une mauvaise idée. Je sais que faire de votre avis. On se tient là. Regarde-moi, tu crois là. Ah, déshabille-toi. Vite. Les chaussures. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Fais-moi la ceinture. Bon, ça va, tu peux garder. Regarde-moi. Dis, vieux. Oui. Comment l'avez-vous repéré? Ben, c'est grâce à l'information dans le quartier. Comment ça? Ben, nous avons installé des cellules d'information qui nous signalent tous les gens suspects dans le quartier. Grâce à ça, ben, lui, il a voulu vendre un fusil sans papier. Et on nous l'a signalé. Et comment l'avez-vous arrêté alors? Ben, on est allé en groupe. Il a eu peur,
Donc il s'est rendu. Hein? Oh, vous êtes devenu fort. Finalement, vous n'aurez plus besoin de police comme nous. Non, pas du tout, mon brigadier. C'est-à-dire que nous sommes complémentaires. C'est pour eux d'ailleurs. Nous vous l'avons amené. Ah, ça, c'est bien dit. Bon, allez, reculez là. Allez, oust, en prison. Allez. Commissaire, qu'ils viennent, nous sommes décidés. Ouais, oui, décidés. Je compte jusqu'à trois. Si vous ne m'entendez pas, ça va vous ouvrir le feu. Un! On sort pas, on résiste. Deux. On n'est plus à mourir s'il le faut. Écoutez, il sert à rien de combattre. Je me rends. Faites pas ça. Allez, monsieur le commissaire, je me rends. Commissaire, on peut se battre. Laissez vos armes. Mon commissaire, ne faites pas ça. Laissez vos armes. Vous, venez par là. Arrêtez le commissaire. Venez. J'ai dit de baisser vos armes. D'accord. Un instant. Baissez les armes, baissez les armes. Que se passe-t-il? Commissaire, au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation. Bien! Mettez-nous les menottes! Rapidement! Non, commissaire, il s'agit de vous. Moi? Pourquoi moi? Attention à ce que vous faites! Ça va vous coûter cher, hein? Vous êtes accusé de corruption, complicité de corruption, blanchiment d'argent. Votre complice a été arrêté. Il a même avoué. Êtes-vous? Eh bien, les gars, le chef de la police, ici présent, était de mèche avec un gros bonnet pour blanchir des milliards d'argent. Je suis tombé sur le filon et j'ai commencé ma petite enquête. Et quand il a su que par son flair de flic, il a essayé par tous les moyens pour me mettre au garage. Il a même essayé de mettre une taupe au commissariat de Tampi, mais c'était sans compter avec l'intégrité de Oyo. Sinon tout seul, je ne vois pas comment j'ai pu m'en sortir. Le chef de la police spéciale, au début, ne me faisait pas confiance. Puis, il a mis sous écoute ce ripou. Voilà qu'il découvre la vérité. Commissaires amis, félicitations pour votre flair. N'eût été votre ténacité, on aurait gardé à notre sein une vipère. Félicitations à toute l'équipe. Merci, monsieur le chef de la police spéciale. Félicitations. Merci beaucoup. Brigadier. Mon commissaire. Passez-lui les menottes. Avec plaisir, mon commissaire. Allez, comme ça. Hé, hey, commissaire de Tampi. Le faux commissaire te démasqué. Hein? Et mis en prison. Voilà. Embarque-nous. Allez, bye bye. Allez.